retenir quelque chose ici, c'est-à-dire après avoir mis tout simplement cette parole dans l'action, après avoir terminé avec les faits, on entre maintenant dans l'examination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons examiner ce que nous faisons. Alléluia. Amen. Nous devons examiner ce que nous faisons. L'action faite doit être examinée. Alléluia. Amen. Tu dois examiner tout ce que tu fais en tant que fils de Dieu. Tu ne vas pas faire du n'importe quoi. Alléluia. Amen. Tu dois examiner. Tu vas examiner en tant qu'enfant de Dieu ce que tu aimerais faire. Amen. Ce que tu veux faire, il faut l'examiner. Alléluia. Amen. Et nous devons examiner ça parfaitement. Nous devons examiner cela en profondeur. Et quand nous examinons la parole de Dieu en profondeur, ça nous rend libre. Alléluia. Amen. Ça nous rend libre dans toute sa totalité. Lorsque nous examinons la parole de Dieu parfaitement, cette parole nous rend libre. Alléluia. Amen. Vous ne serez pas esclave, mais vous serez libre. Alléluia. Amen. Vous serez dans la liberté du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. C'est pour dire que nos actes ne sauvent personne, mais ces derniers sont des évidences, des témoignages de notre salut. Alléluia. Amen. Nos actes témoignent notre salut. Ce n'est pas nos actes, ce n'est pas nos actions qui nous sauvent. Nous avons été sauvés tout simplement par grâce. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la grâce du Seigneur qui nous a sauvés. Nous n'avions pas été sauvés par nos actions, par nos actes. Mais c'est par la grâce du Seigneur. Mais toutefois, nous devons remarquer que les actions, les actes, ils sont là pour tout simplement témoigner tout simplement notre salut. Alléluia. Amen. Témoigner que nous avons reçu Jésus. Témoigner que nous avons reçu la grâce du Seigneur. C'est pourquoi Jacques est en train de parler. Qu'on ne doit pas écouter seulement la parole, mais cette parole doit être transformée en acte. Cette parole doit être transformée en action. Alléluia. Amen. La parole doit être transformée en action. Et au dernier point, au quatrième point, là où nous parlons de l'examination, c'est-à-dire l'action que nous faisons doit être examinée. Est-ce que l'action que j'aimerais faire, c'est une action qui est dans la volonté du Seigneur ou ce n'est pas une action qui est dans la volonté du Seigneur? Amen. Voilà l'examination. Avant de parler, il faut d'abord examiner ce que tu aimerais parler. Alléluia. Amen. Avant de faire quelque chose, il faut examiner ce que tu aimerais faire. Mm. Donc, nos actes ne nous sauvent pas. Ça ne sauve personne. Mais tout simplement, les actes sont là comme témoignage de notre salut. Alléluia. Amen. La foi que vous avez, c'est la foi que vous montrez. Alléluia. Amen. La foi que vous avez, c'est la foi que vous montrez. Vous n'allez pas montrer ce que vous n'avez pas. Ce que vous montrez à l'extérieur, ça signifie que c'est ce que vous avez. Vous ne pouvez pas montrer ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous donnez ce que vous avez. La foi que vous avez reçue, c'est la foi que vous donnez. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas donner autre chose. Tu vas donner à une sœur, tu vas donner à un frère ce que tu as. Alléluia. Amen. La foi que vous avez, c'est la foi que vous montrez. Si nous lisons Jacques 1, verset 27, chapitre 1, 27, on n'a pas voulu quitter dans Jacques, on est tout simplement dans Jacques. Jacques 1, verset 27, ça nous dit.
Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce que Jacques, selon Jacques, ce qu'il considère comme la vraie religion. Alléluia. Amen. La vraie religion, la religion authentique, la religion pure, c'est prendre le soin des orphelins. Amen. Est-ce que tu es arrivé un jour de prendre soin des orphelins dans ta vie? Parce qu'on dit que c'est ça la vraie religion. As-tu déjà aidé un orphelin dans ta vie? As-tu essayé tout simplement d'aider une veuve dans ta vie? Jacques est en train de nous dire que c'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse. Les orphelins, ce sont des gens qui ont perdu leurs parents. Ils ont besoin de votre soutien. Ils ont besoin de les aider dans leur détresse. Ils ont besoin de ce que tu leur donnes de l'espoir. Voilà transformer notre écoute en action. Voilà transformer la parole que nous avons reçue du Seigneur en action. Pas tout simplement l'écouter. Un bon exemple d'un bon serviteur, d'un bon chrétien qui est au service du Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la détresse dans le monde. As-tu essayé tout simplement d'aider même un seul orphelin? Je sais que tu aides les gens dans ta famille. Je sais que tu aides tes frères. Je sais que tu aides tes sœurs. Mais si tu es arrivé d'aller au-delà de ta propre maison, au-delà de ta famille, voilà la vraie religion. Amen. Même les païens, ils aident les membres de leur famille. Même les gens qui n'ont pas encore crié au Seigneur, ils aident aux membres de leur famille. C'est une obligation familiale. Amen. Mais Jacques aimerait nous montrer ici que nous devons aller au-delà. C'est notre responsabilité d'aider nos membres de famille. C'est notre responsabilité. On ne peut pas se dérober de cela. Mais il dit, la vraie religion, c'est aider les orphelins et aider les veuves qui sont dans la détresse. Amen. Mon frère qui m'écoute là où tu es, dans ta maison, au travail, partout où tu es, il y a des gens qui sont dans la détresse. Il y a des gens qui ont besoin de l'aide. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un espoir dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de se sentir qu'il y a des gens qui prennent soin d'eux dans le Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin de ce que tu leur montres l'amour du Christ. Que tu leur montres que Jésus t'a sauvé, c'est par sa grâce. C'est pourquoi il est en train de dire que tu ne peux pas avoir l'orgueil d'avoir reçu le salut, parce que le salut, tu l'as reçu par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Tu dois recevoir ce salut-là dans l'humilité du Seigneur. Et sur le salut, tu l'as reçu par grâce. La vraie religion, Jacques est en train de nous dire, il faut aller aider les gens qui sont dans la détresse. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir. Il y a des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Il y a des gens qui ont même des problèmes d'habits. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont s'habiller. Ils n'ont pas d'habits pour s'habiller. Il y a des gens qui dorment à l'extérieur. La vraie religion, c'est d'aider les gens qui sont dans la détresse. Jacques, il est en train de nous parler de cela. Et quand nous faisons cela, nous quittons du concept de la parole et entrer dans le concept de l'action. Amen. Alléluia. Amen. La religion pure et authentique, c'est prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et de se garder de toutes tâches dues à l'influence du monde. Nous devons nous garder de toute influence du monde. Dans le monde, il y a plusieurs choses qui peuvent nous influencer.
Il y a les télévisions qui nous influencent. Il y a les médias qui nous influencent. Il y a les Facebook qui nous influencent. Il y a les Twitter qui nous influencent. Il y a les YouTube qui nous influencent. Il y a beaucoup de choses que nous regardons avec nos yeux qui nous influencent. Parce que nous sommes dans le monde. Jacques est en train de nous dire, nous ne devons pas être influencés par le monde. Nous ne devons pas accepter à ce que le monde puisse nous influencer. Nous devons nous garder de toutes tâches dites à ce que le monde peut apporter. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'en tant que des enfants de Dieu, nous avons simplement l'obligation ou la responsabilité d'éveiller sur les uns des autres. Surtout les gens qui sont dans la détresse. Parce qu'il y en a et ils sont nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les serviteurs de Dieu Jacques, voilà ce qu'il a voulu nous dire cet après-midi. Que nos actions doivent tout simplement refléter notre vie. Alléluia. Amen. Et pour que nous puissions refléter, elles doivent refléter tout simplement notre foi. Et pour que nous puissions tout simplement arriver à cela, nous devons remplir les quatre conditions. Nous devons recevoir la parole, et la parole c'est Jésus. Nous devons écouter la parole de Jésus. Et après avoir écouté la parole de Jésus, nous devons aussi faire quoi? Nous devons la mettre en pratique. Et après avoir mis la parole de Dieu en pratique, nous devons aussi l'examiner. Si cette parole, elle est conforme à la volonté du Seigneur pour qu'elle puisse marcher avec nous chaque jour. Amen. Alléluia. Amen, amen. Voilà ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec amen. Cet après-midi. Parce que notre Dieu est bon et il est merveilleux. Les bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et ce que vous n'avez pas compris, prie pour que le Saint-Esprit puisse t'aider à comprendre profondément. Amen. Méditez sur cette parole jour et nuit. Et à méditer sur cette parole jour et nuit, par l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te révéler plus ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen.